voir ta chaux. La même chose, hein. Bah, je suis mieux qu'une photo. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע. בתפילה קטנה חותכת הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בין הדמעה הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואליה לברוח. עשה שיגמר, כי לא נוצר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת. לאלוקיו
קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בין הידימה הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ולאן לברוח, עשה כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע. הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקי, אתה כל יכול. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בין הידימה הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק הנשמה זורקת. שמע ישראל אלוקי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוקי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ולאן לברוח. שייח חתן, שייח קלה, je voudrais tout d'abord vous souhaiter un grand mazal tov à vous deux. Un grand mazal tov également aux parents de la Kala, monsieur et madame Arjuna, et à son frère Samuel. Samuel à qui je souhaite un mariage bientôt, si Dieu veut. Amen. Qui sait, elle est peut-être ici, on ne sait jamais. Ou bien on peut organiser un voyage en Eretz Israël, ça peut donner parfois des bons résultats. Et je voudrais également souhaiter un grand mazal tov aux parents du Khatan, monsieur et madame Nedja, à ses sœurs, à son beau-frère, et enfin un grand mazal tov à toute la famille, aux amis qui sont venus, pour certains de loin, qui sont venus de Toulouse, de Lyon, de Paris, de Marseille, mais aussi de Jérusalem, de Tel Aviv, de Natania. Et je voudrais également, en ce jour si important, rappeler la mémoire de Salomon et Elise Chetrit, de Manuel et Manuela Arjona, de Eli Chetrit, Vincent Farinos, et du côté du Khatan, de Messaouda Kelfa, Lily et Clémence Nedja, Eric et Jean-Pierre Nedja. Sachez qu'ils sont tous présents aujourd'hui à vos côtés pour se joindre à votre mariage et surtout pour vous soutenir et vous aider à bâtir votre foyer et vous combler de brachot, de bénédictions, de l'endroit où ils se trouvent. Alors vous avez choisi de vous marier durant un mois très important du calendrier hébraïque, le mois de Elul, parce que comme vous le savez tous, très certainement, le mois de Elul est le mois durant lequel on se prépare aux grandes fêtes de Rosh Hashanah, du Nouvel An, de Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. Et d'ailleurs, vous savez que le jour du mariage, c'est appelé en hébreu le Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour. D'ailleurs, Thierry m'a dit tout à l'heure qu'il jeûnait, exactement comme Yom Kippour. Et pourquoi est-ce que le mariage est comparé au Yom Kippour? Parce que vous savez qu'à Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, Dieu remet tous les compteurs à zéro. On va à la synagogue, on prie, on demande pardon, et puis tous les compteurs sont remis à zéro.
Eh bien, c'est exactement la même chose qu'il se passe le jour du mariage. Tous les compteurs sont remis à zéro. Tous les compteurs sont remis à zéro le jour du mariage, et c'est la raison pour laquelle le jour du mariage s'appelle Yom Kippour Katan, un petit Yom Kippour. Et donc, ce que vous avez fait, d'avoir choisi de vous marier durant le mois de Elul, de remettre tous les compteurs à zéro juste avant le mois durant lequel on va se faire juger, je trouve que c'était assez bien choisi. De plus, vous savez qu'on en a parlé hier à la synagogue, on l'a évoqué, le mois de Elul s'écrit en hébreu Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui est l'acronyme de la phrase bien connue « Ani les Dodi Vedodili » que cite le roi Salomon dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. « Ani les Dodi Vedodili », ça veut dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Et donc votre union aujourd'hui, votre mariage est symbolisé dans le nom même du mois durant lequel vous vous mariez, le mois de Elul. Alors dans un petit instant, nous allons lire sous la choupa ce qu'on appelle les Sheva Brachot, les sept bénédictions. Et la dernière des bénédictions, il est écrit dans cette bénédiction, Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, le roi du monde, Asher Bara Sason Vesimcha, qui a créé Sason. Tout d'un coup on se rencontre, on se lie d'amitié, et puis on se marie. Et c'est un peu ce qui s'est passé il y a un an et demi, qui pensait aujourd'hui voir les deux ensemble? Aucune des deux familles. Et puis Dieu guide nos pas. On a l'impression qu'on va en Élac Israël pour certaines choses, et puis on revient avec autre chose. Dieu guide nos pas. Vous c'est un peu comme la personne. Unis à tout jamais, et que vous soyez toujours dans la simcha, que vous soyez toujours dans la joie. Et je vous souhaite encore une fois un très grand mazal tov. Amen. Hazak. Hazak. Savri Maranan, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Bore Peri Agafen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Kideshanu B'mitzvotav, Vetzivanu Al Arayot, Ve'asa Lanu Et Arusot. והתיר לנו את הנשואות, לנו את החופה וקידושין. ברוך אתה אדוני, לקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. On va demander à l'enfant qui a la bague de bien vouloir l'amener. À Ethan. Voilà, on va demander au Khatan de désigner les témoins qui seront Jean-Didier Lévy et moi-même. Atem Edaï,
Vous êtes les témoins exclusifs. Nous allons maintenant demander aux témoins si la bague vaut au moins une bouta. Voilà. On va demander au Khatan, est-ce que la bague lui appartient bien? Est-ce que c'est bien vous qui l'avez achetée avec votre propre argent? C'est bien la vôtre? Oui, c'est bien. Voilà. Donc on va demander maintenant au Khatan de prendre la bague avec la main droite, de la placer sur l'index droit de la Kala. Aré at me kodeshet li betabaat zo kedat Moshe ve Israël. Te voici consacré à moi. Regarde-moi dans les yeux. Par cette alliance, conformément à la loi de Moshe et d'Israël. Amen. Azak. Beaucoup d'échecs. Mazel Tov. Mazel Tov. Alors, on va demander à tout le monde de se rasseoir, sauf le Khatan et la Kala, pour la lecture de la Ketouba. Ouais, si on veut. למניין שאנו מנין כאן למטה ורר איך השם הטוב רבי סלימן דמת קראת ירי בן רבי שלמה שיחיה למשפחת אג'ר המלה לידה את איתם שרה בת פני שתיחיל למשפחת ארג'ונב הבל ילינטו כדד משה וישראל בענה וסייתה נשמיה הפלח ועוקיר ואיזון והפרנס יתיחי כלכות גורן יהודאים דפלחים ומוקרים בזנין ומפרנסים לנשיון וכושתבי יגנה לכים ואו בתוליכים כסף זוזי מטר, נחזי לכי ביני, ומזונה יחי, ומצותה יחי, וסיווקה יחי, ומהלבת יחי, כמו אף כל הרעב, וצביעת מרה צרה היא תתדב, ואהבת לילה אינטו, ודן נידון ידה יפה מביתיו, בן גרסף, בן בידה, בן מתרשיג'ין, במנה דיבושו ושימושה, דאר סחם שיניתחין, וצבי רבי סלימן, דנית קראת שריחת הדנן, ואוסיף לה מן תילה עוד חם שיניתחין, סך הכל מהליתחין נרסף, וכך אמר רבי סלימן, דנית קראת שריחת הדנן, חתן דנן אחריות שותף חידוף האדם ותוסף תדן קבלית עלי ועליירתי בתחי להתפע מכל שפגע הרג נרסין וקניינין דיתלית אחות כל שמעיה דקנה ודלת ילנה למקנה נרסין דית ליאון אחריות ודלת ליאון אחריות כול הון יאון אחרין וערבי נפוע מינון שטר חידוף תדן ותוסף תדן ואפילו מן גלימה דל כתפי בחיים ולאחר החיים מן יום הדנן ולעלם ואחריו שטר חידוף תדן ותוסף תדן קיבל עליו רבי סלימן ונתקרת שירי חתן דנן כך אומר כל שטחי כתובתה, ותוספת הנהגים מבנות ישראל עשויים כתיקון חז"ל, דלה כאסמרתו דלה כתוספת משטרים. Nous maintenant demander au Khatan de s'engager sur ce qui est écrit dans la Ketouba. Je vais faire un petit résumé en français. Dans la Ketouba qui vient d'être lue, il est mentionné les obligations du Khatan envers la Kala. Le Khatan a l'obligation d'être à l'écoute de ses besoins affectifs, de la protéger, de l'honorer, de la chérir, de la nourrir, de la vêtir et de subvenir à ses besoins. Êtes-vous toujours d'accord? Bien sûr, je suis d'accord. Avec Marc. Par l'échange de ce vêtement, je m'engage sur la foi et l'honneur à remplir toutes les causes de la Ketouba et j'assujettis pour cela tout
vraiment tout, mais bien. Chazak Thierry. Mon est témoin de ce qui vient de se faire. C'est enregistré dans le film. Nina min Rabbi Shimon, min Karetti, ben Rabbi Shlomo Shechi, mishpachat Neja, chatan Denan, le marat Sara Batfani Shetichie, le mishpachat Arjona Itet Adav, kechol ma dekadum pour Hashem, ben Yerchar le mikniyabe, veakol shavir uvarir vekayam. Je vais maintenant demander aux témoins de signer la Ketouba. Et ensuite, ça sera le tour du Khatan. C'est bien, c'est Ketouba, là. Arezo, Ketouba, terre. Je monte bien, pendant le temps. Moi, je te suis pas. Tu filmes ou tu... Non, c'est naturel. C'est mon côté à moi. Maintenant, c'est marrant. C'est des gens qui prennent notre tour, qui vont nous prendre notre tour. Alors, pour la première bénédiction, nous allons appeler monsieur Norbert Kalfa. Le pauvre, il voulait pas être cousin de la mère du Khatan. Pardon, excusez-moi, tout le monde. Vous êtes notre ami. Berlé, berlé, berlé. Alors non, que tout donner des sourires, qu'est-ce qu'il y a, cet homme pauvre qui s'est marié? Oh, le vin blanc, il... Sabri manam, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Borei Perek Gefen. Amen. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Shakol Bara, Lekvodo. Amen. Pour la deuxième bénédiction, nous appelons le père du Khatan, M. Salomon Nedjar. Papi, papi. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Yosher Adama. Amen. Pour la troisième bénédiction, nous appelons monsieur Michael Yankou, l'ami du Khatan. Pour la quatrième bénédiction, nous appelons monsieur Jonathan Dahan, neveu du Khatan. On a le temps, on a le temps. Il fait beau en plus. Il fait un petit mot fait. Sostasis vetagela kara bekibutz banea betocha bimera besimcha baruch atah Adonai
Vesamear Tzion Bevanea. Ma cinquième bénédiction, nous appelons Monsieur David Selem. Le responsable. David. Sameach tesamareim ha'ovim kesamechach yitzirach began Eden mikedem aruch ata Adonai mesamechach chatan vekala. Merci beaucoup, monsieur. Et pour la dernière bénédiction, nous appelons, il est déjà là, monsieur Émile Touboul. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Asher bara sason v'simcha Hatan v'kala Gila rinna ditza v'chedva Ahava v'ahva shalom v'reot Mer Adonai Eloheinu Eshama Baruch ata Adonai, Mesamiach Hatan Im Hakala. Maintenant le Khatan va briser le verre. Dernier acte du mariage. Avant ça. Im Eshkacher, Yerushalayim, Tishkav, Yamini, Udu. Udu Adonai, Kitov, Kilola Mazdo, Yerbuv, Semachot, Ve Israel, Ve Anusu, Anachot, Ve Yye, Ve Siman Tov. Yeah.
Thank you.
traiteur. Qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît, toute l'équipe du traiteur aujourd'hui, qui vous a fourni un magnifique cocktail, un magnifique repas. Est-ce que vous êtes prêts pour le décompte avec moi? Ouais. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Mazel Tov. Pour les mariés, chantons tous Mazel Tov. Pour les familles, chantons tous Mazel Tov. Pour les amis, chantons tous Mazel Tov. Shalom, shalom, shalom.
Moment d'émotion, s'il vous plaît, calme. Arrêtez, je vais pleurer. Voilà. Allez, Ethan. Voilà. T'as mal encore ? Ethan, viens ici. Viens nous aider un peu. Arrête. Belle maman.